largeur du bassin, les pieds bien à plat. Imaginez que vous veniez avec vos pieds vous accrocher dans le sol et cramponner les orteils dans le sol comme si on était à la plage et qu'on pouvait mettre nos orteils dans le sable. Ça permet d'aller chercher jusqu'au bout des orteils cet appui du talon en passant par la plante du pied jusqu'au bout des orteils. Pour bien sentir cet appui, je vous invite juste à plier un tout petit peu les genoux sans soulever vos talons et puis tendre. On plie, on tend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Donnons de la mobilité à nos chevilles. Vous allez venir prendre appui sur les orteils et pousser les coups de pied vers l'avant. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Imaginez que vous êtes en train de monter un escalier sur place, par exemple. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Très bien. Prenez maintenant appui sur un seul pied. Laissez l'équilibre se mettre en place. Sentez que le pied, lui, va bouger, la cheville va réagir et votre corps, lui, va répondre en termes de motricité. Je reste sur mon pied en équilibre, encore un petit peu. Et vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre un appui sur la chaise à côté de vous, de façon à avoir un appui. Souvent, rien que le fait de poser le petit doigt sur la chaise fait toute la différence, alors n'hésitez pas. Changez de pied, même chose de l'autre côté. Voilà, Monique, je vous montre. Alors moi, c'est mon petit chat qui dort toujours là alors que je vais mettre ma séance. Excuse-moi, mon petit chat. Hop, j'ai un peu des scrupules à la pousser. Mais voilà, hein, avec la chaise, ça donne ça. Vous pouvez travailler avec un petit doigt sur la chaise. Allez, sur l'autre pied. Prenez appui sur votre pied. N'oubliez pas que quand on travaille en appui sur une jambe, on s'autorise à plier légèrement le genou de façon à soulager le prépopité. Le genou n'aime pas travailler en hyperextension. Les tendons sont fragilisés. Donc, vous pouvez vous autoriser à plier. Et puis, on ressent notre équilibre. On pose bien les orteils dans le sol. Ressentez quelle est la partie du pied qui est en appui. Ressentez la cheville qui réagit. Et ainsi que le reste du corps. Parfait. Exercice un tout petit peu plus pointu. Mettez les deux pieds collés l'un contre l'autre. Le corps bien droit. Pour s'aider dans ces exercices-là, n'hésitez pas à rentrer le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Allongez votre dos. Et regardez en face de vous. Pendant 10 secondes, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe en termes d'équilibre. 3, 4, toujours avec un appui sur la chaise si vous en ressentez le besoin. Et si les yeux fermés, ça devient trop pénible, évidemment, autorisez-vous à les réouvrir. 8, 9 et 10. Voilà, donc vous avez vu, on est tout le temps en train de se rééquilibrer. En fait, on n'est jamais stable. On a l'impression d'être un petit peu comme une bouteille souple ou d'être sur un bateau. Oui, c'est normal. Vous n'êtes jamais immobile. C'est la rééquilibration qui se fait en permanence. Alors, on va faire le même exercice, mais en équilibre sur un pied, ce qui va rendre les choses un petit peu plus sympathiques. Mettez-vous en équilibre sur un pied, celui que vous voulez, et fermez les yeux. 1. Donc tout à l'heure on a fait 15 secondes, là on en fait 10 parce que les yeux fermés c'est tout de suite plus compliqué. Oula, 9 et 10, et voilà. Mais en même temps c'est tellement plus intéressant. Reposez vos pieds, ouvrez les yeux avant de reposer bien les deux pieds, puis reprenez appui sur un seul pied. Une fois que l'appui est bon de qualité et que vous sentez que vous pouvez, eh bien fermez de nouveau les yeux et on essaie de rester 10 secondes sur l'autre pied, yeux fermés. 5, 6, 7. 8, 9, 10, ouvrez tranquillement les yeux et reposez les deux pieds. Parfait, je vous félicite, c'est très bien. Alors, en appui toujours sur la jambe droite, vous allez lever votre pied gauche et le laisser balancer d'avant en arrière. Sur la partie arrière, le pied ne monte pas très haut. Sur la partie avant, on peut s'autoriser à monter un petit peu plus simplement parce que notre genou plie et nous permet d'avoir un petit peu plus de grandeur dans le mouvement. Ça permet d'aller chercher la motricité au niveau de la hanche. 7, 8. Donc, vous imaginez vraiment que votre pied, c'est un poids mort et c'est ça qui vous permet de venir laisser la jambe osciller d'avant en arrière comme un pendule. 9 et 10.
Parfait. Même chose de l'autre côté. On appuie sur la jambe gauche. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient devant, derrière, devant, derrière. Donc, sur la face arrière, vous n'allez pas loin du tout. Naturellement, vous avez l'articulation, la hanche et puis le muscle fessier qui vous retient. Vous gardez la jambe tendue. Inutile d'aller haut ni loin. Et surtout, ne creusez pas dans votre dos. 9 et 10. Parfait. Alors, cette fois-ci, pied gauche devant, vous mettez le pied flex, comme si vous vouliez poser le talon au sol, et vous levez le genou devant vous. Pointez le talon vers le sol, levez le genou. Pointez le talon vers le sol, levez le genou. Rentrez bien nombré le long de la colonne. Pensez à rentrer les sphincters pour mobiliser ici, hein, au niveau du bas-bassin, pour sécuriser le bassin. Parfait. Pensez à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine et regardez un point fixe en face de vous. Allez, restez le genou à hauteur de votre hanche. Et là, faites un petit coup de pied vers l'avant et revenez à la position genou hauteur de hanche. 2, 3, 4. On est toujours sur une contrainte d'équilibre. 5. Et vous pouvez aussi toujours mettre la main sur la chaise si besoin. 7. 8, 9, 10, parfait, reposez votre pied. Et même chose du coup de l'autre côté. Donc avec mon pied droit, pied flex, genou plié, je viens d'abord chercher le talon vers le sol et je ramène mon genou plié devant moi à hauteur de ma hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous restez genou à hauteur de la hanche et vous tendez, pliez, tendez, pliez, tendez. Soufflez lorsque vous tendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous reposez. Allez, marchez sur place, marchez, 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 très bien. Parfait. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous pouvez vous déplacer dans la salle, hein, n'hésitez pas, autorisez-vous. Et là, vous allez marcher devant, devant. On va faire un petit carré. Derrière, derrière. À droite. À gauche, pardon. Devant, devant. Derrière, derrière. À droite, à gauche. C'est des pas rattrapés. Donc devant, je reviens avec mon deuxième pied. Derrière, je reviens avec le deuxième pied. À droite, mon pied rejoint. À gauche, mon pied rejoint le premier. Voilà, devant, devant, derrière, derrière, à droite, à gauche, devant, devant, derrière, derrière, à droite, à gauche, devant, devant, derrière, derrière, à droite, à gauche, devant, devant, derrière, derrière, à droite, à gauche. Parfait, très bien. Alors, toujours en appui, cette fois-ci en équilibre sur la jambe droite, toujours avec le genou un peu fléchi. Venez avec votre jambe gauche. Pointez devant, pointez sur le côté, pointez derrière, pointez. Du coup, j'utilise mes points de pied pour aller chercher le support. Mais je pourrais de la même façon aller chercher avec le talon devant, avec ma pointe sur le côté et du coup avec ma pointe derrière, d'accord. L'idée, c'est de devoir passer de devant, côté, derrière, et encore devant, côté, derrière, en travaillant, vous avez vu, ma stabilité, mon équilibre, en appui sur la jambe droite, et puis en même temps, on réveille musculairement au niveau de la jambe, dernier, devant, dernier, à droite, dernier, derrière, parfait. Changez de côté entre les deux, donc vous pouvez soulager la jambe d'appui. Hein. N'oubliez pas que la jambe d'appui, encore une fois, vous la pliez un petit peu et vous rentrez bien les orteils dans le sol pour avoir un bon appui. Donc on recommence cette fois-ci. C'est la jambe gauche qui nous sert de jambe support et la jambe droite qui va se promener pour faire l'exercice. Donc si j'ai besoin de ma chaise, je m'autorise à la poser cette fois-ci de l'autre côté, sinon elle va me gêner. Je me mets en appui sur mon pied gauche. Souvenez-vous, vous pouvez légèrement fléchir le genou gauche.
Remettez en place les bases, c'est-à-dire rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine. Je vais chercher avec mon pied devant, sur le côté, derrière, devant, sur le côté, derrière. Et si je joue le jeu, j'ai les bras devant, sur le côté, derrière, voilà, devant, sur le côté, derrière, ça fait 5, devant, côté, derrière, ça fait 6. Imaginez que vous me dessinez un arc de cercle sur le côté, devant, côté, derrière, allez, devant, côté, derrière, et le petit dernier pour la route, devant, côté, et derrière, parfait. Marchez tranquillement, très bien. Alors, il y a des nouvelles méthodes de kiné hein, qui se développent un peu tout le temps. Et là, il y a une méthode qui s'appelle la méthode David qui permet en fait d'aller se concentrer sur la qualité de la conduite motrice, c'est-à-dire des informations nerveuses qui passent et qui permettent d'avoir plus de force au niveau des membres inférieurs notamment. Et il y a un tout petit exercice tout simple à récupérer bien ici, c'est qu'il faut sécuriser le bassin et lui donner le tonus nécessaire. Donc le petit exercice à faire un peu tous les jours, sur 30 secondes, vous allez vous mettre en appui sur le genou gauche, ouvrir ici la jambe droite, vous avez comme sur le mouvement qu'on fait là, pour travailler les stabilisateurs de la hanche en élévation sur le côté, mettez-vous au point haut, j'entends du pied flex, entre bien rentré, périnée engagée, dos bien droit. Et là, trouvez votre équilibre sur 30 secondes. Allez, évidemment, on peut mettre le petit doigt sur le dossier de la chaise, ça fait toute la différence. Voilà, Monique, super. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et vous relâchez. Voilà, marchez sur place. Parfait. Et hop, faites la même chose de l'autre côté. Donc, en appui sur la jambe droite, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, allongez votre dos, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, ouvrez bien ici sur le côté, j'entends du pied flex, je cherche mon équilibre et je le tiens 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et vous relâchez. Allez, soufflez bien et marchez. Parfait. Je vous invite, si vous avez votre bouteille d'eau à boire, prenez le temps, prenez votre bouteille d'eau, buvez ne serait-ce qu'une gorgée. L'idée, c'est de venir amener de l'eau un peu toutes les 10 minutes, même si on ne boit pas beaucoup. Voilà. Parfait. Alors, on continue. Donc, toujours avec notre chaise. Ce que vous pouvez faire, comme on est sur une phase d'échauffement, c'est de garder le coussin sur la chaise. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Révision les muscles des jambes, on continue notre petit réveil musculaire. Placez les pieds à la largeur du bassin, vous vous placez devant la chaise. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer les bras devant pour avoir un contrepoids. Les bras vont rester parallèles par rapport au sol. Et puis, vous cherchez à aller vous asseoir dans l'absolu. Jouez bien le jeu d'aller chercher loin derrière dans la chaise. Et puis, si vous perdez l'équilibre, c'est que vous avez bien joué le jeu et que vous avez bien été chercher la chaise derrière. Voilà, c'est ça. Parfait. Et puis, je reviens me mettre debout. Ce qui est important, c'est que on va mettre 3 temps pour nous asseoir. 1, 2, 3, asseyez-vous. Et 1 temps pour se lever. Super. Encore. Gardez bien l'emphase debout. 3, 2, asseyez-vous.
et on se lève. Parfait. Allez, 3, 2, asseyez-vous. Parfait, très bien. 3, 2, asseyez-vous. On se lève. Et 3, 2, asseyez-vous. Très bien. Si j'ai bien compté, il nous en reste 3. Voilà. Il n'en reste plus que 2. 3, 2, asseyez-vous. Et le petit dernier pour la route. 3, 2, asseyez-vous. Parfait. Refaisons cet exercice. Cette fois-ci, on va mettre un petit peu de piquant. Vous allez ramener le pied un peu, le pied qui est votre pied d'appui, c'est-à-dire le pied droit un petit peu au centre de la base. Parce que je vais vous demander cette fois-ci de vous mettre en équilibre sur un pied et de refaire l'exercice. 1, 2, 3 sur une jambe et de vous relever. Et on en fait 5 de chaque côté. Allez, toujours 3 temps pour descendre. 3, 2, 1, asseyez-vous. Et 3, 2, 1, asseyez-vous. Allez, encore 3. 3, 2, 1, asseyez-vous. 3, 2, 1. Et le petit dernier pour la route. 3, 2, 1. Et relâchez. Parfait, je vous félicite. On va faire la même chose de l'autre côté. Remettez-vous debout. Cette fois-ci, je prends mon appui sur ma jambe gauche. Je tends ma jambe droite. Toujours les mains devant moi, à l'horizontale par rapport au sol. Et 3, 2, 1. Asseyez-vous. 3, 2, 1. Asseyez-vous. Voilà. Le fait de placer une surhauteur sur la chaise permet d'avoir le bassin surélevé, de faciliter le mouvement et de soulager les hanches et les genoux. Cet exercice n'est pas traumatique, mais ça peut aider évidemment à faire l'exercice. Au début en tout cas, si la charge est trop dure. Et vous soufflez un bon coup. Bravo, je vous félicite, c'est très bien. Prenez le temps de souffler. Rasseyez-vous. Prenez votre genou gauche dans vos mains et doucement, en soufflant, emmenez le genou gauche vers l'épaule gauche. Soufflez. Parfait. Prenez maintenant votre cheville gauche dans les mains et amenez le talon gauche à votre fesse gauche. Soufflez à nouveau. Parfait. Accompagnez votre jambe sur le sol, vous inspirez et vous soufflez. Vous venez prendre votre genou droit dans les mains et vous emmenez votre genou droit à votre épaule droite. Soufflez bien. Arrondissez bien le bas du dos. Inspirez, attrapez votre cheville droite et amenez-la en soufflant à votre fesse droite. Soufflez bien. Le dos est droit. Bien allongé, ventre bien rentré le long de la colonne. Périnée toujours engagée. Et sur l'inspiration, reposez. Parfait. Ok, alors, je profite pour retirer la fesse en premier. Ici, j'enlève le coussin parce que j'ai besoin d'être bien assise dans ma chaise. Et cette fois-ci, je vais vous autoriser à garder ici le creux naturel dans le bas de votre dos. C'est le seul exercice où je vous autorise, donc profitez-en. Votre pied, vous allez attraper votre pied gauche et le poser sur votre genou droit. Donc, je vous montre comment ça donne. Hop, attrapez votre cheville, posez-la sur le genou. Je suis toujours assise en respectant le creux dans le bas de mon dos, d'accord? Et là, en fait, avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche et doucement, en soufflant, j'emmène le genou gauche à mon épaule droite. Ici, pour étirer le muscle fessier. Je souffle, j'étire, j'inspire, je relâche. Je souffle, j'étire. J'inspire, je relâche. Et je souffle, j'étire. Et j'inspire, je relâche. Voilà, parfait. Reposez votre pied sur le sol et réalisez la même chose avec votre pied droit. Pied droit sur le genou gauche, toujours le dos bien droit. Je respecte bien le creux dans le bas de mon dos. Et là, avec la main gauche, je prends mon genou droit pour l'emmener à mon épaule gauche. Soufflez,
Étirez. Inspirez, relâchez. Soufflez, étirez. Inspirez, relâchez. Et soufflez, amenez le genou à l'épaule. Inspirez, relâchez. Voilà, parfait. Accompagnant. Les pieds au sol. Parfait. Alors, devant sa chaise. Je vais la poser là. Mon tapis, il est parti. Chouk, en vrac. Voilà. Allez, on continue. Cette fois-ci, mobilisation du bassin. Mettez les doigts sur les pointes du bassin. Les pouces sur l'arrière de votre taille. Jambes pliées. Pieds parallèles. Et là, venez basculer le bassin en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc là, j'arrondis, je creuse dans le dos, j'arrondis, je pousse le pubis vers l'avant. Quand je creuse, je sors les fesses derrière. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, très bien. Continuons cette fois-ci avec les bras. Tirez les coudes derrière à l'horizontale. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Là, vous inspirez. Et quand vous soufflez, poussez loin devant et arrondissez votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière. Approchez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière. Soufflez, arrondissez. Parfait. Gardez maintenant les coudes derrière et on va donner de la mobilité au niveau des dorsales en emmenant les coudes d'un côté et puis de l'autre. Le bassin ne bouge pas et le regard est toujours figé devant soi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, relâchez. Alors, toujours sur la chaise, je me méfie que j'ai un chat que je vais finir par écraser. Si vous voulez sortir, je me débarrasse du félin et j'arrive. Allez, vas-y. Voilà. Excusez-moi, pardon. Donc, du coup, là, placez cette fois-ci les mains derrière la tête. Le dos bien droit. Expirez, poussez les coudes derrière. Et lorsque vous inspirez, vous laissez les bras relâchés. Soufflez, poussez les coudes derrière, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Et sur l'inspiration, relâchez. Encore une fois, soufflez, poussez les coudes derrière. Et relâchez. Parfait, laissez les coudes redescendre et puis les mains. Inspirez, croisez vos doigts et amenez les mains loin au-dessus de la tête. Là, j'aime bien qu'on soit assis pour celui-là. Voyez comme ça, le bas de votre dos est installé correctement. Et voyez si en inspirant, en soufflant, vous pouvez aller chercher loin derrière, allonger, ouvrir les épaules. Et vous soufflez, vous relâchez. Soufflez, allez chercher loin derrière. Inspirez, relâchez. Et une dernière fois, soufflez, allez chercher loin derrière. Vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, relâchez. Relâchez bien. Remettez-vous debout pour ne pas être gêné par la chaise cette fois-ci. Prenez vos doigts derrière le dos. Pointez les index vers le bas. Ça vous donne une ligne directive. Et poussez vers le bas avec vos doigts. De façon à faire comme si vous pouviez passer les mains en dessous de vos fesses. Et là, venez amener les mains vers le haut. Donc je reste tiré vers le bas et en même temps j'élève vers le mur derrière. Soufflez bien. Encore, inspirez. Soufflez. Et une dernière fois. Inspirez et soufflez. Et relâchez. Parfait. Alors, continuons avec notre chaise. Je vais en profiter pour réveiller ici la ceinture abdominale. Ça fait partie de l'équilibre. Vous mettez les mains sur le bord de la chaise.
les fesses pas trop dans le fond de la chaise, mais pousser quand même les fesses vers le fond. C'est-à-dire que même si je ne suis pas coincée dans le fond de ma chaise, je peux faire comme si je voulais reculer sur mes fesses pour pousser vers l'arrière, basculer les têtes de bassin vers l'avant et donc avoir les épaules au-dessus de mes mains. Ok ? Rentrez le nombril le long de la colonne, vous allez pousser sur vos bras, c'est ce qui vous permet de lever un genou. Vous soufflez, vous levez l'autre genou. Vous inspirez, vous posez un pied. Et vous inspirez, vous posez l'autre pied. D'accord ? Donc c'est vraiment le fait d'avoir les mains posées sur la chaise qui vous aide. Je me rapproche. Voilà. Monique, ce qui m'aide vraiment, c'est que je vais prendre un appui et repousser avec les mains sur la chaise. D'accord ? Et c'est cet appui-là, imaginez par exemple si je voulais me mettre debout, je poucherais là sur les mains. Hein, et bien là, cet appui me permet de lever un pied, de lever l'autre, de poser, ok ? C'est un peu comme si, imaginez que vous êtes installé sur le canapé, je passe l'aspirateur. Donc, je passe l'aspirateur, vous levez un pied, vous levez l'autre pied. Je repose, d'accord ? Vous levez un pied, vous levez l'autre pied, reposez un pied et puis l'autre. Ok ? Levez un pied, levez l'autre pied, reposez, reposez. C'est pas obligé que les genoux se lèvent très haut, peu importe. Lorsque je pousse, je lève un genou et puis l'autre, et je repose un pied et puis l'autre. Ce qui compte, c'est de lever un pied et puis l'autre, et de reposer un pied, et puis l'autre. Voilà. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez à fermer les sphincters, à garder le dos bien allongé. Et aussi de bien repousser tout votre corps pour vous allonger la colonne et vous étirez votre dos. De façon ici à ce que les épaules restent basses et qu'elles soient loin de vos oreilles. Je ne travaille pas comme ça, d'accord ? Allez, genou droit. Genou gauche, je souffle, j'inspire, je repose, pied droit, pied gauche. Genou gauche, genou droit, et j'inspire, je pose, pied gauche et pied droit. On essaye maintenant sans reposer les pieds au sol, vous voyez, ils ne touchent pas par terre mes pieds. Genou, genou, je souffle, hein, je pousse et je repose, mais sans toucher par terre. Genou, genou, inspirez, pied, pied. Genou, genou, inspirez, je descends. Soufflez, genou, genou. Inspirez, je descends. Et le petit dernier pour la route. Soufflez, genou, genou. Inspirez, je descends. Et relâchez. Parfait. Écartez un petit peu les pieds. Et laissez le haut de la tête, les épaules et les coudes balancer vers le bas. Soufflez bien, relâchez. Et relâchez les bras si toutefois vous êtes à l'aise pour aller jusqu'en bas. Sinon, restez à mi-hauteur. Soufflez bien. Laissez le bas du dos se détendre. Inspirez, expirez. Et sur l'inspiration, remettez les mains sur les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne. Enroulez bien le bas du dos. Basculez le pubis vers l'avant. Remettez le bas du dos, puis le dos, puis les côtes, les épaules et seulement la tête en dernier. À sa place. Parfait. Alors, on continue à renforcer ici les muscles stabilisateurs au niveau de la rotule qui vont nous aider dans notre recherche d'équilibre au quotidien. Je me mets cette fois-ci de profil. Donc, assis dans la chaise, pied devant vous. Tendez la jambe droite, ramenez les orteils, pieds flex. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, allongez bien votre dos. Et là, vous allez faire des petits coups de pied vers le plafond. 2, 3, 4, 5. La jambe est toujours tendue. 7, 8, 9, 10. Parfait. Jambe gauche, jambe tendue, pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et tendez simplement une jambe. Ouvrez sur le côté. Soufflez, ramenez. Et reposez. Tendez l'autre jambe, ouvrez sur le côté, ramenez et reposez. Jambe droite, ouvrez, ramenez, reposez.
jambe gauche tendue, ouvrez, ramenez, reposez. Lorsque vous ouvrez, je tends ma jambe droite, j'ouvre, je suis toujours sur le même plan. Hein, en fonction de la souplesse naturelle de ma hanche, je ramène. Ce qui est confortable sur la chaise, c'est que ma cuisse glisse sur l'assise de la chaise et c'est l'assise de la chaise hein, qui me sert de support pour aider le mouvement. Ok, tendez maintenant les deux jambes en même temps, pied flex, puis pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Et là, vous allez coller les talons l'un contre l'autre, pied flex, ouvrir les orteils vers l'extérieur, mes jambes sont toujours tendues. Le dos est toujours bien droit. Avec mes mains, je peux me tenir de chaque côté de ma chaise si j'en ai besoin. Et j'ouvre et je ramène. 1, 2, 3, 4. Toujours ventre bien rentré, périnée engagée, dos bien droit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous vous reposez. Parfait. Remettez-vous debout. Et gardez la chaise à côté de vous, toujours dans l'idée d'avoir un point d'appui. Donc nous réalisons des fentes arrière avec une remise en charge. Et on va encore travailler sur la stabilité de la rotule. D'accord ? Donc la fente, c'est un grand pas vers l'arrière qui va me permettre ici, si je plie le genou de la jambe d'arrière, dans l'absolu, de poser le genou au sol. Je voyais bien que je ne vais pas jusqu'au sol. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez mettre bien le poids du corps entre les jambes en allant vers le bas et pouvoir venir remonter en ramenant le genou devant. Vous reposez, d'accord? Ça, c'est le mouvement complet. Donc, avec la jambe droite derrière, je descends comme si je voulais poser mon genou droit au sol. Vous avez vu, si je suis droite, il ne se passe rien, ça ne bouge pas. Je me redresse et je me remets en appui sur la jambe gauche avec le genou droit devant. Parfait. Allez, à gauche. Soufflez. Inspirez. Très bien. À droite, soufflez bien. Redressez-vous. Inspirez. Donc, on a fait deux de chaque côté. On va jusqu'à 10. Si vous souhaitez vous arrêter avant, évidemment, je vous invite à le faire. Faites-en juste au minimum 6. Parfait, donc on est à 3. Soufflez bien. Très bien. 4. Ok. Genou. Et derrière. Genou. Parfait. On est à 5. Très bien. Vous me dites, si je me trompe parce que je vous regarde, je fais avec vous et j'oublie de compter parfois, on est à 6. Donc là, si ça tire trop, à partir de 6, vous avez le droit de vous asseoir et de faire une pause. Ok ? 7, parfait. Sur les 3 derniers, on remet la composante d'équilibre, vous mettez les mains sur les hanches et vous le faites sans tenir la chaise. Allez, gauche et droite et gauche et droite, très bien. Allez, le dernier genou gauche derrière est là, juste pour vous aider à travailler les centres de l'équilibre. Regardez à gauche, regardez à droite et vous remontez en regardant bien devant. Voilà. Jambe droite derrière, regardez à droite, regardez à gauche, regardez devant et remontez votre genou droit. Très bien. Allez, on continue à mobiliser la colonne et tirer cette fois-ci l'arrière de la jambe. Toujours rester ici au niveau du bas. On fait notre petite revue de littérature. Alors, sur notre mise en route, cette fois-ci, on va venir étirer l'arrière de la cuisse. Mettez les mains sur le dossier de la chaise. Vous mettez les pieds à la largeur du bassin et vous laissez
les épaules sont allées vers le bas, dos bien droit, ventre rentré, périnée engagée. Et vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. En appui bien sur les orteils sur la partie avant de vos pieds. Parfait, soufflez bien. Profitez-en si vous voulez. Alors si c'est trop dur, vous pouvez écarter les pieds de la largeur du tapis. Ça soulage derrière les jambes. Et sinon, ce qui m'intéresse moi, c'est que vous veniez croiser le pied gauche devant le pied droit. Que vous poussez à nouveau les fesses derrière. C'est toujours le même exercice. Soufflez bien, essayez de tendre au maximum les jambes. Et si vous êtes souple, vous pouvez aussi laisser tomber le poids de la tête et le poids des bras. D'accord ? Ça, c'est la deuxième façon de réaliser l'exercice. Et puis, vous pouvez du coup décroiser, changer de pied et repartir de l'autre côté. Soufflez bien. Inspirez, expirez. Voilà, pour vous redresser, vous pouvez remettre les mains sur la chaise, les pieds dans l'axe. N'hésitez pas, si vous êtes sensible, à plier les genoux. Pensez ici, quand vous allez vous redresser, remettre le pubis vers l'avant, entre le nombril le long de la colonne, dérouler le bas du dos, les côtes, les épaules, et en dernier la tête. Impeccable. Très bien. Alors, retournez la chaise face à vous. Cette fois-ci, on va s'occuper de nos épaules. C'est le même mouvement, c'est la même position, sauf que au lieu de mettre les mains sur le haut de la chaise, on va mettre les mains sur l'assise de la chaise. Déjà, l'angle ne va pas être le même. Et comme je vais aller poser mes coudes, je vais demander beaucoup plus de souplesse ici au niveau de mes épaules. Donc, venez vous installer pieds parallèles devant la chaise avec les mains sur l'assise de la chaise. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut, aller poser un coude, allez poser l'autre coude et étirez les épaules en allant regardez-vous bien entre vos jambes. Soufflez bien. Inspirez. Expirez. Voilà. Et si vous êtes très souple et que vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous allez pouvoir plier dans les genoux pour emmener le poids des fesses vers l'arrière et du coup étirer encore davantage au niveau de vos épaules. Voilà, très bien. Tendez à nouveau les jambes, soufflez bien. Repliez dans les genoux, poussez sur la chaise pour vous redresser. Alors, on continue toujours dans notre idée d'équilibre et puis ensuite on pourra aller au sol pour compléter au niveau de la souplesse. Petit exercice d'équilibre que j'aime bien vous faire faire qui va permettre d'aller travailler sur la torsion. Vous vous mettez face à la chaise et vous allez mettre, pour vous montrer, je vais commencer moi du bon côté pour moi, vous allez mettre le pied gauche devant, le pied droit derrière sur la même ligne. Posez la main droite sur la chaise. Voilà. Vous êtes assez éloigné pour sentir l'étirement dans la jambe de derrière. Voilà. Si vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut, que vous placez votre dos bien droit, vous allez sentir l'étirement dans la jambe de devant aussi. Et là, avec votre main gauche, on va faire pivoter uniquement ici l'axe des épaules pour aller regarder vers le haut. Et donc, vous êtes sur une double problématique et d'équilibre et de souplesse. Expirez, expirez, relâchez, ramenez les deux mains devant, changez votre pied, pied droit devant, pied gauche derrière, mes deux jambes sont toujours pointées. Et cette fois-ci, allez chercher avec la main droite. Inspirez, expirez, gardez bien les deux pieds au sol, gardez bien les talons dans le sol. Ne soulevez pas les talons. Et on rechange, pied gauche devant, pied droit derrière. Ouvrez la main gauche, regardez votre main gauche. Laissez attention le bassin bien face à la chaise. Le bassin ne tourne pas pour accompagner les épaules. Vous avez vu ma hanche, elle est bien face à la chaise. Elle ne bouge pas. Je n'ouvre ici que l'espace de mes épaules. Inspirez, expirez. Et sur l'inspiration, revenez au milieu. Changez de pied.
Fixez bien le bassin face à la chaise et ouvrez l'axe des épaules. Expirez. Expirez. Laissez la tête relâcher dans l'axe. Repoussez bien la chaise pour pouvoir soulager les épaules. Et inspirez, revenez. Voilà, parfait. Nous avons fait du coup 3 répétitions de chaque côté. Très bien pour tout le monde. Ok. Alors ici, juste avec tes pieds, je regarde la largeur du bassin, les mains sur la chaise. Vous pouvez venir plier la jambe droite et pousser la fesse gauche en haut et vers l'arrière pour étirer et aussi ici trouver de la mobilité. Et à l'inverse, dans l'autre jambe. D'accord ? D'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et très bien, on se lâche comme ça, bien l'axe de nos épaules. Alors, toujours avec les deux mains sur l'assise de la chaise, assurez-vous que votre chaise, elle ne bouge pas. Si toutefois vous sentez qu'elle serait tentée à glisser par exemple, vous pouvez caler la chaise, coller le dossier contre le mur. Moi, j'ai un tapis antidérapant, donc je sais que ma chaise, elle ne bouge pas. Reculez maintenant les pieds de la chaise. Vous allez vous retrouver ici, en position de gainage sur les bras tendus. Et là, de nouveau, je vais vous demander et de la puissance et de l'équilibre. Repoussez bien la chaise, hein. Pas laisser vos épaules écrasées dedans. Et laissez ouvrir un bras. À gauche et je le regarde, je m'étire, je m'allonge, je me grandis. Voilà, donc je vais chercher le gainage, accepter le gainage sur le côté, d'accord ? Revenez les deux mains face, vous revenez en gainage de face, super, et on ouvre à droite, acceptez le gainage sur le côté, vous pouvez être en appui sur le côté de vos pieds, et quand je reviens, je suis de nouveau en appui sur mes orteils, ok ? Sur les pointes de pied. J'ouvre à gauche, je me mets en gainage latéral. Je suis en appui sur l'extérieur de mon côté, de mon pied droit et sur l'intérieur de mon pied gauche. Oh, vous voyez, j'ai glissé. Hop. Allez, encore une fois, de chaque côté, revenez en appui sur les orteils. Là. Et donc, du coup, quand je suis en gainage latéral sur mon côté gauche, je suis en appui sur l'intérieur de mon pied droit et l'extérieur de mon pied gauche. Revenez sur les orteils. Parfait. Ok. Une fois à gauche. Soufflez bien. Revenez au milieu. Et dernière fois à droite. Soufflez bien. Et revenez au milieu. Marchez tranquillement jusqu'à la chaise. Voilà. Et relâchez les bras. Relâchez les coudes. Relâchez les poignets. Bravo, je vous félicite. Il est très très bien cet exercice. Soufflez bien, frottez bien les mains, relâchez les bras. Un exercice intéressant pour stabiliser les omoplates et donc soulager et stabiliser l'articulation de l'épaule, c'est des mouvements qu'on appelle de pompe, mais pompe omoplate, ça veut dire qu'on va uniquement rassembler les omoplates l'une contre l'autre. Vous savez, tout à l'heure à l'échauffement, on a fait cet exercice-là, là. Je vous ai demandé de tirer les coudes derrière pour ramener les omoplates l'une contre l'autre. Et à l'inverse, vous les avez repoussées loin l'une de l'autre. Voilà, reprenez cette sensation-là. Eh bien, en fait, on va faire la même chose, sauf que je vous demande à nouveau de vous mettre les mains sur la chaise. Les pieds loin derrière pour être en gainage. Et regardez, la seule chose qui bouge, c'est que je vais repousser la chaise avec mes mains. Donc, arrondir ici au niveau de mes omoplates, pousser le plafond avec mon dos, comme si j'étais bossu. Et à l'inverse, je laisse les omoplates se rapprocher l'une contre l'autre et mes épaules. C'est un petit peu comme si ma tête rentrait dans mes épaules ressortent. Super. Soufflez, repoussez les mains, repoussez les épaules. Inspirez, creusez au niveau des omoplates. Mes bras bougent pas, hein, j'accepte juste de ramener. Soufflez, arrondissez, repoussez les épaules. Et inspirez, venez mettre le torse entre vos deux mains. D'accord ? Et vous relâchez pas, surtout pas au niveau du bas du dos, pour rester bien gainé. Et tranquillement, venez marcher jusqu'à la chaise.
Excellent, super. Alors, prenez ici votre coussin. Placez-le à côté de la chaise. Je vais me servir de la chaise pour soulager mon dos. Ça me sert toujours de ce fameux de point d'appui, d'accord? Et puis, je vais juste venir, comme tout à l'heure, en fente arrière, chercher le pied loin derrière. Sauf que là, je vais m'autoriser à le poser sur le sol. Là, j'ai posé mon pied gauche pour vous montrer. Et du coup, je mets bien mon pied droit loin devant sous la chaise pour soulager le genou droit. Vous pouvez réajuster, vous allez voir si vous avez besoin. Par exemple, là, je suis trop près de ma chaise. Je vais avoir besoin de l'éloigner de moi. Et là, ce qui compte ici, c'est que vous gardiez bien les hanches face à la chaise et que vous ameniez le bassin ici vers le sol. Et vous étirez ici toute la hanche. D'accord ? On étire le psoas. On gagne ici de la souplesse et de la mobilité de la hanche. Voilà, parfait. Soufflez bien. Et on va laisser sur 20 secondes le temps nécessaire à étirer notre hanche. Très bien. Relâchez en douceur. Changez de pied. Prenez appui cette fois-ci sur votre genou gauche et amenez le pied droit loin devant. De nouveau, juste la petite chose à faire attention, c'est de laisser le bassin bien face à la chaise, ne pas lui autoriser à tourner vers un côté. Et je viens amener le bassin vers le sol en pliant la jambe de devant et en avançant le poids du corps vers l'avant. Soufflez bien et donnez-vous 20 secondes pour faire l'exercice. Parfait. Super. Voilà, vous allez pouvoir garder cette fois-ci les deux genoux sur le tapis, posez les mains sur le sol et emmenez les genoux sur vos talons, les fesses sur vos talons pour bien étirer le bas de votre dos. Soufflez, amenez le front vers le sol. Soufflez bien. Ok, alors. Pour travailler ici la flexibilité au niveau des hanches et puis de venir ici trouver de la souplesse dans les muscles fessiers, vous pourrez sur l'exercice suivant, je l'avais déjà expliqué celui-ci, c'est que si toutefois vous sentez que vous avez une souplesse qui est plus dure au niveau de l'arrière de la jambe, vous gardez le coussin sous les fesses. Je vous montre parce que quand vous allez travailler du coup, vous avez le bassin surélevé par rapport à vos jambes, qui vous permet de bien le basculer, de garder le dos droit et ici de ne pas être embêté par un défaut de souplesse qui pourrait arriver sous la jambe. Donc vous pouvez choisir de garder votre coussin sous les fesses pour faire l'exercice. Il n'y a aucun souci. Je vous montre au niveau de la position des jambes, mais pas vraiment en tailleur. Vous prenez votre pied gauche et vous l'amenez à votre cuisse droite. Vous prenez votre pied droit et vous l'amenez à votre tibia gauche. Basculez bien le bassin vers l'avant. Voilà. Et là, laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Et soufflez, relâchez bien le haut du corps sur le bas du corps. Et vous pouvez aussi aller chercher le plus loin possible devant si vous avez envie. Besoin de tirer aussi au niveau des épaules. Soufflez. Trois grandes respirations. J'inspire, je garde pas ma respiration. Je souffle. Encore une fois, j'inspire, relâchez bien votre tête et je souffle. Pour vous redresser, vous pouvez retoucher le sol avec vos mains. Voilà, donc là vous avez constaté qu'on a étiré sur la jambe qui est devant la fesse correspondante. Donc, changez de côté. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite que je place contre la cuisse gauche, le pied gauche que je place sur le tibia de mon pied droit. Voilà, installez-vous tranquillement, gardez si besoin le coussin sous les fesses. Voilà, et laissez retomber le haut du corps en laissant le poids de la tête, des épaules, l'enroulement du dos, le poids des coudes et des mains vous emmener vers le bas. Soufflez bien. Soufflez, inspirez doucement, expirez.
inspirez. Quand vous expirez, vous laissez le poids du corps s'en aller vers l'avant. Inspirez à nouveau. Laissez bien retomber le poids de la tête et soufflez. Pour vous redresser, sur l'inspiration, poussez avec les mains pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et seulement en dernier, la tête à sa place. Revenez sur le côté. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de refaire la posture de tout à l'heure avec les fesses sur les talons. Mais ce que j'aimerais bien, c'est cette fois-ci, vous écartiez les genoux de la largeur du tapis. On va ouvrir les hanches et le coccyx pour les soulager. Et donc, du coup, vous venez bien. De cette position-là, vous allez pouvoir réunir vos genoux et je vous invite à poser le bassin sur le côté. Vous allongez sur le côté, posez la tête sur l'oreiller si besoin et venir rouler d'un seul tenant sur le dos, genoux, bassin et épaules qui pivotent en même temps et vous vous retrouvez à plat dos. Ici, placez bien le bas du dos pour venir réduire le creux dans le bas de votre dos. Placez bien chacune de vos vertèbres, amenez bien les épaules au sol, éloignez les épaules de vos oreilles et ramenez bien le menton vers le torse pour regarder entre vos genoux. Attrapez votre genou droit dans vos mains, attrapez votre genou gauche dans vos mains. Gardez les pieds collés l'un contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Soufflez, amenez les genoux vers vos épaules. Inspirez, relâchez, sans laisser redescendre les genoux. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Et une dernière fois, soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Gardez les genoux collés l'un contre l'autre et ouvrez les paumes de main à hauteur de vos épaules, bras bien tendus, paume de main vers le plafond. Regardez votre main droite et laissez les genoux s'en aller vers la gauche. Cherchez le sol, soufflez bien. Laissez bien l'épaule droite dans le tapis. Inspirez, expirez tranquillement. Inspirez, expirez, et encore une fois, inspirez, expirez, revenez à la position de départ, vous pouvez mettre un genou et puis l'autre, et regardez cette fois-ci votre main gauche et laissez les genoux tomber vers la droite pour aller chercher le sol. Les genoux ne sont pas obligés d'aller jusqu'au sol. Gardez bien la main gauche et l'épaule gauche sur le tapis. Regardez bien votre épaule gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Expirez une dernière fois. Et revenez avec un genou et puis l'autre. Et reposez un pied puis l'autre. Les jambes sont pliées, les pieds sont posés près des fesses. Posez maintenant les mains sur votre ventre. Fermez les yeux. Et concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lors de votre respiration. Inspirez longuement et doucement par le nez. Et sentez le ventre qui se soulève. Lorsque vous soufflez doucement et longuement, l'abdomen se relâche et redescend. Inspirez. Sentez le ventre qui se soulève. Et lorsque vous soufflez, vous dégonflez votre ventre. Poussez l'air à l'extérieur. Comme si vous vouliez souffler dans une paille pour faire des bulles dans un verre d'eau.
une dernière fois. Inspirez par le nez. Et soufflez. Très bien. Mettez maintenant en place votre respiration en 4 temps. Inspirez doucement et longuement par le nez. C'est le premier temps. 2. Bloquez votre respiration. Rien ne rentre, rien ne sort. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche jusqu'à une expiration complète. Et 4. Vous bloquez à nouveau votre respiration. Encore 2 fois cet exercice. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et vous bloquez à nouveau votre respiration. Dernière fois. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Abaissez bien le bas du dos dans le tapis sans relâcher le creux dans votre dos. Tendez la jambe gauche au ras du sol et tirez-vous. Tendez le bras droit loin derrière. Étirez-vous, allongez-vous. Et étirez loin derrière vous la jambe droite et étirez loin derrière vous le bras gauche. Étirez jambe droite, bras gauche en diagonale. Et le dernier, étirez-vous de tout votre corps. Baillez un grand coup comme le matin quand on se lève. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous et laissez reposer votre corps sur le tapis. Vous êtes complètement détendu, relâché. Lorsque vous en sentirez le besoin ou l'envie, vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux, regarder autour de vous, ramener les bras le long du corps, regardez à droite, regardez en haut. Regardez à gauche, regardez en haut, ramenez votre pied droit près de votre fesse, jambe droite pliée, ramenez votre pied gauche près de votre fesse, jambe gauche pliée, puis tranquillement roulez sur le côté, reprendre appui sur les avant-bras, regardez le sol, puis regardez en face de vous et tranquillement, remettez-vous assis, puis à quatre pattes. Vous pouvez ainsi aller chercher la chaise comme support, prendre appui sur un pied et repousser tranquillement le sol pour vous redresser et venir vous allonger, vous grandir, vous étirer. Cherchez le grandissement le plus possible. Et là, sur le dernier exercice qui va vous demander de la souplesse, de la mobilité du dos en flexion et de l'équilibre. Sur jambes tendues, vous laissez le haut du corps s'en aller sur le bas du corps. Allez chercher le tapis avec vos mains. Pliez dans les genoux, accroupissez-vous. Passez les mains sur les tibias. Cherchez votre équilibre. Soufflez bien et reposez les mains sur le tapis. Inspirez, stabilisez-vous. Soufflez, laissez le poids de la tête retomber. Tendez les jambes. Inspirez, placez les mains soit sur les tibias, soit sur les cuisses. Et poussez à nouveau les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et là, allongez votre dos, regardez le tapis devant vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez ici à rentrer bien serrer les sphincters.
terre. Hein. Allongez-vous comme si vous vouliez pousser le mur en face avec votre tête et pousser le mur de l'autre côté avec vos fesses. Inspirez, pliez à nouveau les genoux. Prenez appui sur les cuisses. Crampez le nombril le long de la colonne. Poussez le pubis vers l'avant. Enroulez le bas du dos. Puis déroulez le dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Bravo, impeccable !